Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors, on va s'occuper un petit peu maintenant de notre véhicule, avant de continuer pour la marche arrière et tout ce qui reste à faire. On va s'occuper de plusieurs petits réglages, notamment le centre de masse, dans un premier temps, pour améliorer la tenue de route de notre véhicule, parce que là on a pu voir que c'était pas terrible du tout. Donc j'ai téléchargé des cônes que j'ai mis sur la piste et on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais me mettre en plein écran. Et on va se voir un petit peu comment ça se passe si j'essaye de slalomer entre eux. Alors, vous allez voir, on n'a pas trop de surprises. Dès qu'on commence un petit peu à slalomer, le véhicule fait des trucs. Ah bon, mais il se retourne. Et en fait, ça vient du centre de masse du véhicule qui est pas bon. Alors, j'avoue, on voit ici le point au centre qui est le centre de masse. Il a l'air bien, sauf qu'avec l'accélération et les roues et tout ça, j'avoue que je ne suis pas un expert en centre de masse. J'ai fait quelques recherches, j'ai pas trop trouvé. Alors j'y suis allé à tâtons. Pour déclarer un nouveau centre de masse à un rigid body, en fait, on fait ici get component rigid body. On va chercher la propriété, le centre de masse, et on lui affecte un nouveau vecteur 3. Ce qui fait qu'en fait, ici, je le recule sur l'axe Y de moins 0,9 flotte, et ici, je mets 0,2 flotte sur l'axe Z. Ce qui fait que mon centre de masse va descendre et avancer un petit peu par ici. Si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Mais en fait, si vous y allez à tâtons et en essayant, on peut voir que ça fonctionne. Donc on va tester maintenant avec ce nouveau centre de masse que j'ai. Alors je sais pas si j'ai enregistré mon script, je vais quand même voilà le faire. Et on va regarder ce que ça donne maintenant au niveau tenue de route. On va voir si j'arrive maintenant à slalomer entre deux. Alors j'arrive, voilà. Hop, hop. Et on peut voir que je slalome et que j'arrive maintenant à slalomer entre mes cubes. Bon, j'ai perdu un petit peu j'ai perdu la tenue de route, mais on voit que ça fonctionne. Alors, faut voir aussi qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes paramètres. Donc, wheel angle, je suis à 10. Donc, qu'on fera aussi par la suite, parce que le wheel angle, en fait, il doit être progressif, un petit peu comme une direction assistée. C'est-à-dire que cet angle doit être beaucoup plus important quand on roule doucement et en fonction de la vitesse, devenir de plus en plus petit. On fera ça par la suite. Mais on va essayer d'améliorer la tenue de route et un petit peu la vitesse et tout ça. Alors, on va sélectionner nos 4 Whale Colliders et on va s'intéresser aux propriétés du Whale Collider. Alors, on a pu voir quelques propriétés ici, notamment la masse, le radius, le Whale Damping Rate, ici au niveau de la suspension spring. Vous avez le damper ici. Au plus on va bouger, alors je pense que si on diminue, on va avoir une suspension différente au niveau de la voiture. Donc, ce sera ajouté en fonction de ce que vous voulez. Là, on peut voir qu'elle rebondit. D'ailleurs, si je roule, on va voir que ça a un petit peu d'incidence aussi. Mais les suspensions sont à régler en fonction de ce que vous voulez faire. Mais là, vous voyez, en remontant les suspensions, voilà ce que ça donne. On va voir si je perds déjà plus ou moins. Non, c'est un peu plus maniable. Donc après, à voir ce que vous voulez faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la propriété. Alors, je vous laisse de toute façon découvrir toutes les propriétés. Mais ici, vous avez le sideway friction au niveau du shiftness qui vous permet en fait que les roues accrochent. Alors, si on augmente cette valeur, on va essayer, on va la passer par exemple à 4. On devrait avoir aussi une tenue de route un peu modifiée. Et la voiture devrait accrocher un petit peu plus. On va essayer, on verra bien. Voilà, donc là, volontairement, je voyais. Ouais, donc ça accroche beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut voir que quand je joue de gauche à droite, ma vitesse n'augmente plus autant. Donc on a déjà une tenue de route et la voiture est beaucoup plus contrôlable grâce à cette propriété des Whale Colliders. On peut voir que la voiture, je peux rouler à 200 sans aucun souci. Je la dirige tout à fait correctement. Je change de voie. Bon là j'étais un peu trop fort. Et on a aussi une dernière propriété qui est la forward friction, il y en a aussi le shiftness qui est à peu près la même chose. Donc on va ici passer, on va tester à 4 pour voir ce que ça donne. Je pense que l'accélération devrait être un peu plus rapide. Comme vous pouvez le voir, ici vous voyez, je suis déjà bientôt à 100. Donc on gagne en accélération aussi du fait qu'il y a moins d'accroche au niveau de la route. Et on peut voir que j'arrive plus ou moins à diriger mon véhicule. Bon, là effectivement le slalom n'est pas encore, il faudrait ajuster un petit peu tout ça. Moi je vais remonter mon dumper ici, je veux moins de suspension. Je vais le passer à 1000. Alors après, à vous d'ajuster, c'est encore de trop, je la vois bouger. Je vais remettre comme c'était à 10 000 par exemple.
pour pratiquement plus avoir de suspension, voilà, c'est ce que je voulais. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais après à vous de chercher dans les paramètres ce qui vous va le mieux, mais là on peut voir que j'arrive très bien à diriger mon véhicule et à slalomer sans aucun souci. Donc voilà, ceci étant, maintenant on a un véhicule qui est tout à fait dirigeable correctement, sans perte, enfin avec quelques pertes comme on a pu le voir là évidemment, quelques pertes de sortie de route, ça décélère tout le temps, il n'y a pas de souci et ça fonctionne bien. Alors maintenant on va voir un petit problème que m'a été remonté par un abonné, qui est aussi un problème au niveau du son. Alors on va repartir sur le... je vais volontairement lui faire faire un tour à 180 degrés pour voir ici, vous allez voir avec moi, que quand on tombe dans le vide, effectivement j'avais pas pensé à ça, le véhicule continue d'accélérer. Et on va monter, bah, la vitesse s'arrêtera jamais et va aller de plus en plus vite et on entend le son qui va... Voilà, donc ce qu'on va faire, on va essayer de limiter ce problème en clampant la vitesse ici, enfin la valeur de du pitch. Une flotte qui va être V val pitch, voilà. Ce val pitch, alors je sais même pas est-ce que je peux déclarer ça comme ça, on verra bien. Égal speed, tac, comme ça. On verra bien si ça fonctionne. Ça fonctionne, pas de souci. J'avais jamais testé comme ça en général. Donc je déclare une float val pitch qui est égal à speed, max speed plus 1,5 float. Donc c'est le calcul qu'on avait avant. Et en toute logique ici, je devrais simplement dire qu'il est égal à val pitch, ce qui est exactement la même chose qu'avant. Sauf qu'on va clamper avec un mat f. Donc je vais y arriver. Mat f.clamp. Cette valeur. On a trois paramètres. Alors on a la valeur, ensuite on a indiqué le minimum et le maximum. Ça veut dire que en fait, on va clamper le val pitch entre un minimum et un maximum. C'est-à-dire que même si ce calcul dépasse, je vais en l'occurrence mettre ici 1 en minimum et 3 en maximum, si même ce calcul dépasse 3, c'est-à-dire qu'il passe à 4, 5, 6, il restera maximum, il va rester à 3. Le matf clamp va nous dire c'est... La valeur du float ici est plus grande que son max, donc on va lui donner comme valeur max. Et pareil pour le minimum quand il va baisser. Donc on va dire que c'est val pitch, virgule élan, on rentre ce qu'on veut. Donc ce sera un float et trois floats. Voilà. Et on va retester le problème. Et normalement, maintenant, même si on accélère, bon après, de toute façon, dans votre jeu, à un moment, il faudra récupérer le véhicule, il ne va pas tomber dans le vide éternellement. Mais on va voir que ça va, normalement, l'accélération devrait arrêter à 200, qui était ma valeur, enfin le son, la vitesse continue, mais ne devrait plus accélérer, bien que, voilà, on sent qu'à 3 flottes elle est bloquée. Alors on peut le bloquer plus haut aussi, hein. D'ailleurs ce serait peut-être à faire, parce que là je sais pas pourquoi, j'ai mis combien, 1,5, donc c'est 2,5. 2,5 ma flotte ici, max speed, donc je suis à 1,25, oui, donc ici je devrais déjà le mettre à 2,5, ce serait ma vitesse maxi. Et donc là on va retester, mais on pourra voir que la vitesse évidemment du speed continue à tomber, ça c'est normal, le véhicule prend la vitesse, mais en tout cas le pitch ici devrait être clampé à 2,5 et s'arrêter, en fait vous voyez, 2,5, je ne vais plus loin. Mais évidemment la vitesse continue parce que le véhicule est en train de tomber. Donc c'est une solution pour régler ce problème. Maintenant, le véhicule ne devrait pas tomber si longtemps dans votre jeu, hein. Soit il est détecté par un collider ou quoi que ce soit, et il revient en scène, ou voilà quoi. Et puis en règle générale, sortie de piste, vous arrivez peut-être pas forcément dans le vide. Mais voilà, c'était à souligner, c'était quelqu'un qui m'avait remonté ce problème, mais effectivement, c'était un problème à régler. Donc voilà, on aura vu ici, avec les paramètres... Dewell Collider, comment ici gérer un petit peu mieux la tenue de route du véhicule. On a vu qu'ici qu'on pouvait jouer donc avec les paramètres. Hein, je vous encourage à aller voir tous ces paramètres sur la doc de Unity. D'ailleurs je vais vous la montrer ici. Voilà. Vous avez ici
sur la doc officielle tous les paramètres qui sont expliqués, en anglais évidemment, langue de Shakespeare, mais tout y est bien expliqué. Après, moi j'ai regardé ça un petit peu, je vous avoue que je fais pas beaucoup de jeux de voiture, ils expliquent un petit peu mieux ici comment affiner tout ça, mais moi j'ai joué avec ces valeurs-là et je vois que c'est tout à fait acceptable. Après, à vous d'aller affiner tout ça. Donc ici on a vu le damper au niveau des suspensions qui permet d'ajuster la valeur de suspension. Là je l'ai monté très haut donc j'ai pratiquement pas de suspension mais c'est comme ça que je le préfère. Après à vous de voir. Et ici le shift nest de forward et sideways friction qui permet d'avoir la croche de la roue. On a pu voir qu'avec le forward friction la voiture accélère beaucoup plus vite. Le problème c'est que si on monte cette valeur beaucoup plus haut, on va avoir après plus assez d'accroche. Alors on voit à l'écran que ça vibre un petit peu. Et voilà, mais ceci dit, c'est du coup très facile de diriger le véhicule correctement. Voilà, on a pu le voir. Donc, on va laisser cette valeur pour moi à 4 qui est largement suffisant. On a vu aussi comment régler le centre de masse. Alors, je vous ai dit, je vous avoue que franchement, j'ai pas trop calculé ça. J'ai pas trop compris comment ça marche. J'ai regardé un petit peu, mais le problème vient de là, en fait, du centre de masse du véhicule. Et il faut. Alors là, j'y suis allé à tâtons, j'ai testé un petit peu, j'ai affiné ça. C'est peut-être pas les meilleurs. À voir si vous trouvez mieux. Après, ça dépend aussi peut-être de ce que vous allez faire, les colliders. J'ai pas bien saisi, j'ai bien compris que c'était le centre de masse qu'il fallait déplacer en fonction des well colliders par rapport à un véhicule qui avance, c'est-à-dire la force, ce qui est important. Mais voilà. Et on a vu ici en dernier comment régler ce petit problème de moteur qui, quand la voiture tombe dans le vide. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça m'encourage vraiment à continuer. On est de plus en plus sur la chaîne et c'est sympa. Et j'essaye de répondre à toutes les questions. Il y en a pas mal en ce moment, donc j'essaye de faire ça au mieux. Vous inquiétez pas. Voilà, ça vient. Je vous dis à bientôt. Bye bye.